Bonjour, ici Christian Mingret, expert en vidéo pour le web et créateur de la plateforme vidéotutoriel.com. Dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter un petit peu l'histoire qui m'est arrivée ce week-end. J'avais prévu de proposer à certaines de mes listes une formation gratuite, et tout cela dans la plateforme Koneo, pour qu'ils découvrent l'espace membre de cette plateforme. Je vous rappelle que Koneo est un outil que l'on peut utiliser gratuitement et donc qui est vraiment très intéressant pour présenter des formations. Mon objectif était donc celui-ci, faire découvrir à ces personnes l'espace membre de Koneo. J'ai donc créé un produit gratuit, j'ai créé un formulaire et j'ai envoyé cela à mes listes. Le seul souci, c'est que je me suis complètement trompé dans ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que je n'ai pas créé le bon formulaire. J'ai donc été obligé de recontacter ces personnes pour qu'elles se réinscrivent, pour qu'elles aient accès à la formation. Alors, je vais vous montrer maintenant, comment est-ce que vous devez créer ce formulaire? La première chose, bien évidemment, ça va être de créer un produit gratuit. Je l'ai déjà créé. Si je vais dans Produits, vous voyez, fond vert, copie, c'est bien gratuit. Je vais donc maintenant créer un formulaire gratuit. Je reviens dans les trois bandes, je viens dans Espace sécurisé et je vois apparaître Formulaire d'accès gratuit. À partir de là, je vais pouvoir ajouter un formulaire. Je vais lui donner un nom que je vais appeler fond vert, ajouter. Et maintenant, j'ai à ma disposition cet ensemble. Je vais pouvoir donner une apparence. Tout d'abord, je veux qu'il n'y ait que le prénom de demandé, mais je pourrais très bien demander le nom, le prénom, l'adresse, etc. Et rendre les champs obligatoires. Ensuite, j'ai la possibilité de modifier l'aspect. Pour avoir fait des tests, je vais choisir Twitter en gris. Et je vais mettre dans cette partie-là un titre. Par exemple, accéder gratuitement à la formation fond vert. C'est juste un exemple, donc après, bien évidemment, je peux lui donner un aspect plus sympathique, le centrer, le mettre en gras, voire même modifier et mettre par exemple en titre 2, et même le mettre en rouge, hein, c'est-à-dire changer la couleur, comme ceci, par exemple. J'ai possibilité aussi de mettre un texte dans la partie basse. Je vais laisser comme ceci. Car ensuite, je vais continuer. Alors regardez bien une petite chose quand même. Si je fais enregistrer pour enregistrer cette page, je vais cliquer sur enregistrer. Et vous voyez que là, ça se met en rouge. C'est que j'ai oublié de faire quelque chose. Tout simplement, c'est parce que je dois continuer, remplir éventuellement le groupe. Ce n'est pas une obligation. Je dois définir le produit gratuit, bien évidemment. Je vais donc aller le sélectionner. C'est la copie ajoutée à la liste. Ensuite, je peux indiquer les conditions générales d'utilisation, si j'en ai. Et nous avons ici email double opt-in, email confirmation. Il va falloir que j'indique une adresse email, que je mette le nom de la personne, c'est-à-dire mon nom et mon prénom, le sujet, et dans la partie en dessous, je vais indiquer un texte. Bonjour, je vais sélectionner prénom, virgule, blablabla, hein. Après ça va être à vous de mettre ce qu'il y a à mettre. Une fois que j'aurai rentré le texte, je vais sélectionner lien de confirmation. Merci, plus la signature. Nous avons déjà le texte après la confirmation. On va faire la même chose dans l'email de confirmation. De nouveau l'adresse email, de nouveau le prénom et le nom, c'est-à-dire le nom de l'expéditeur, hein. Ça peut être le nom de votre entreprise. Le titre, comme ceci, et là encore, je vais descendre pour indiquer « Bonjour », je sélectionne le prénom, puis je mets du texte, et ensuite je vais mettre le lien vers l'espace membre, puis l'email, email login, puis le mot de passe, bien évidemment, merci. À partir de là, je vais pouvoir aller dans les options avancées. Là, on me demande recevoir une notification lorsqu'une personne s'inscrit, oui ou non. Ça dépend de ce que si vous voulez être averti à chaque fois qu'une personne va s'inscrire. Et puis, on va descendre pour indiquer dans la partie en dessous un code de votre autorépondeur qui vous permettra d'avoir les inscrits dans votre autorépondeur. Une fois que vous avez fait cela, il ne vous reste plus qu'à enregistrer et fermer. À partir de maintenant, je vais pouvoir récupérer ce formulaire, je retourne dans Espace sécurisé, formulaire gratuit. On voit le formulaire fond vert. Je vais aller l'ouvrir, copier-coller bien évidemment de celui-ci, CTRL-C. Je vais ouvrir un nouvel onglet, CTRL-V, Entrée.
et nous avons notre formulaire qui est bien en place. On pourrait faire en sorte qu'il soit beaucoup plus sympathique d'accueil, etc. Mais bon, après, c'est une histoire de mise en place avec un visuel, du texte, etc. etc. Mais c'est pour vous montrer que cela fonctionne. Si maintenant je rentre mon prénom et mon nom, eh bien cela fonctionnera. Je pourrai ainsi avoir accès à la formation. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Pour contrôler, je vous invite franchement à contrôler parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis déjà fait avoir. Donc maintenant, je suis méfiant. Comme ceci, enregistrer. Vous devez maintenant confirmer, donc on est bien d'accord. Je vais aller dans ma messagerie, voir ce qu'il en est. J'ai bien reçu un email. Je clique dessus pour confirmer. J'ai bien ceci qui apparaît. Et maintenant, dans ma messagerie, j'ai bien le message Christian Mingret. J'ai donc le lien. Je rentre mon email, j'avais pris celui-ci, le mot de passe, je vais le récupérer, c'est celui-ci, CTRL-C, que j'installe, CTRL-V, OK. Et nous voyons que j'ai bien accès à ceci. Alors, vous avez remarqué que dans email, eh bien, j'ai oublié d'indiquer l'information. Je vais donc retourner dans cette partie. Je reviens dans espace sécurisé, formulaire gratuit. C'est pour ça qu'il faut tester, ne pas faire comme moi, sinon vous allez avoir des problèmes à la sortie. Donc je viens dans le crayon, je viens dans l'email de confirmation, puisque c'est là que je n'ai pas mis, en fin de compte, cette partie. Je vais donc email. Ici, vous voyez que c'est le nom qui apparaît, alors que ce n'est pas le nom qui doit apparaître, c'est l'email login. Voilà. À partir de ce moment-là, cela va fonctionner. Il ne me reste plus qu'à enregistrer et fermer. Comme vous pouvez voir, c'est réellement très simple d'utiliser Koneo pour installer un formulaire et l'accès gratuit à une formation ou à une vidéo. Merci de votre écoute et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée !